famille n'avait plus 20 ans. Voici le temps des cheveux blancs et l'heure de la retraite sort. Vous avez beaucoup travaillé sur les chantiers, les ateliers. Maintenant, on vous abandonne. Faites preuve d'imagination, chacun saura sa façon se débrouiller dans l'existence. Non, maintenant, rien n'est fini. Vous allez vivre une autre vie dans le calme et l'espérance. Amis, que la retraite est belle. Mais oui, il faut s'habituer à vivre cette vie nouvelle. Puisque vous n'allez plus jamais travailler, vous étiez partis à Paris, vous êtes revenus au pays voir le père de la source. Retrouvez le vieux clocher, l'église où vous fut baptisé, et la forêt avec sa mousse. Souvenir de la jeunesse qu'on évoque avec allégresse et qui vous paraissent si proches. Tout cela est bien présent dans vos esprits durant des ans pour égayer votre vieillesse. Mamie, que la retraite est belle. Et oui, il faut s'habituer à vivre cette vie nouvelle. Puisque vous n'allez plus jamais travailler, à présent tout a bien changé, même pour vous, les retraités. On vous appelle le troisième âge. Il n'y a plus de vieux maintenant, puisque vous passez votre temps à faire la fête et des voyages. Il faut tous vous tenir la main et parcourir ce même chemin en faisant une sarabande. Et ainsi que pour vos vieux jours, dans l'allégresse et dans l'amour, vous chanterez tous ensemble. Amis, que la retraite est belle. Mais oui, il faut s'habituer à vivre cette vie nouvelle. Puisque vous n'allez plus jamais travailler, et quand arrivera le jour où vous partirez sans retour parcourir ce grand voyage, aimeriez-vous que vos enfants se souviennent de vous très longtemps, pensant que vous étiez des sages? Après avoir bien travaillé, vous aurez bien profité de cette bonne et douce retraite, leur souhaitant aussi un jour être très fiers à leur tour de danser, de chanter à tue-tête. Amis, que la retraite est belle. Mais oui, il faut s'habituer ma vie. Ouais. Cette vie nouvelle, puisque vous n'allez plus jamais travailler.